On a d'un côté le Causse du Larzac, de l'autre côté le Causse de Blandas, et tout ça est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ouais, et bien, et tant mieux. Au titre des paysages exceptionnels. Alors, on va parler de Gruissant, qui n'est pas très loin de Narbonne, Narbonne-Plage et Gruissant, et puis également de la Grande Motte que nous aimons tant tous les deux. Deux endroits totalement différents. D'abord, Gruissant, vous imaginez le village entouré du miroitement des étangs sur lequel sont posés comme ça, de-ci, de-là, quelques flamants roses. Mmh. Imaginez déjà la carte postale. Et puis l'autre endroit, c'est effectivement la Grande Motte. La Grande Motte, c'est un endroit que j'aime particulièrement, même si ça a été le symbole du tourisme de masse dans les années 70. Il n'empêche que la Grande Motte a été classée patrimoine du XXe siècle au début de l'année 2010 parce qu'on y a reconnu le côté visionnaire, le côté qualitatif au niveau de l'architecture, et puis surtout, c'est devenu un endroit totalement nature. C'est en fait une sorte de ville de l'avenir qu'on a fait dans les années 70. On va aller la découvrir et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'aime pas vivre à la Grande Motte. Ici, il y a comme un air de vacances, et ce, toute l'année. Gruissant, c'est d'abord un village qui a su garder son caractère. Avant les années 60, il y avait ici à peine 1200 habitants, principalement des pêcheurs. Monsieur Labattu se souvient qu'à cette époque, son village se mourait un peu. Mais un jour, ce lieu d'Éden a été choisi pour faire partie d'un programme de revalorisation touristique des côtes françaises. Sa silhouette va alors changer radicalement. Le village va pendant 10 ans connaître des travaux titanesques. Une station balnéaire de 65 000 lits sort de terre. Un port est construit et on drague même le sol pour faire venir la mer. L'eau se trouve actuellement sur un plan d'eau avec 3 mètres de fond. Eh bien, c'était du sable. Il y avait des troupeaux, il y avait des bergers, il y avait des troupeaux de moutons. C'était les gens allaient chasser, c'était la terre, quoi, en fait. Les architectes vont ainsi créer une nouvelle ville. Ces formes en voûtin rappellent ici le côté méditerranéen de la cité. Et pour garder la beauté du lieu intacte, ces bâtiments ne dépassent pas les collines environnantes. Ainsi, lorsqu'on arrive par la terre, seul le village d'antan est visible. Ce village au charme fou, construit de manière circulaire autour d'un ancien fort. Et en empruntant ces ruelles dont on ne voit jamais le bout, on arrive à la tour de Barberousse, vestige d'un château du Xe siècle. À l'origine, elle servait à protéger Narbonne contre les invasions barbaresques. C'est ce que disent les textes. Et du fait qu'il n'avait plus de rôle militaire, le château a été démoli. Et il a servi, comme dans beaucoup d'endroits, de carrière pour la construction des premières maisons. En face des marais se trouve une plage bordée de chalets sur pilotis. Un petit coin de paradis qui servit de décor, mais oui, au film 37-2 le matin. Au départ, sans eau ni électricité, ces résidences de vacances se sont modernisées au point de ne plus être sur pilotis. Alors dernièrement, des architectes ont élaboré 30 nouveaux chalets comme un retour aux sources. On a essayé de garder le jus de ce qui avait été fait à l'origine, quoi. Donc c'est un habitat très minimaliste. On a des volets un peu particuliers à projection qu'on retrouvait initialement. On est dans une écriture respectueuse du cadre. C'est l'atout et la force que l'on peut donner, on a su donner à ce projet. Si les touristes aiment venir se baigner ici, il existe un endroit bien caché des curieux. Au bord de l'hôtel des Rolles se trouvent des cabanes de pêcheurs. Ici, on a l'impression d'être au bout du monde. On trouve aussi des personnages passionnés par leur métier et amoureux de leur région. Jean-Baptiste est l'un d'eux. Il pêche l'anguille depuis 11 ans. Quand j'ai choisi de faire la pêche à Gruissant, c'est aussi beaucoup parce que je voulais rester à Gruissant. Hein. On est gruissanais depuis toujours et nous, on ne veut pas partir. Hein. C'est un bon endroit, on est bien chez nous. C'est pour ça que moi, à mon avis, à moins, bien sûr, c'est pas la vie, mais je ne crois pas que je parte. Hein. Si Gruissant a su conjuguer habitation moderne et bâti ancien, la Grande Motte est quant à elle la station balnéaire des années 60 par excellence. Avec ses courbes, ses angles droits et ses pyramides, la Grande Motte est pour beaucoup une cité où règne le tourisme de masse. Mais quand on s'y intéresse, la Grande Motte, c'est bien plus que cela. La visiter, c'est l'aimer.
et l'emblème de la ville, c'est avant tout sa célèbre grande pyramide. Et qui mieux que Jean-Marc, passionné par la grande mode, pour nous en parler ? Ce qui est intéressant, on le voit très très bien ici, c'est la forme de la Grande Pyramide. Alors cette forme, c'est la forme inversée du Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, ben, c'est la montagne des Montpellierins. On dit que tout homme a besoin d'une montagne dans son paysage et dans son panorama. Pour les Montpellierins, c'est le Pic Saint-Loup. Et pour les grands motois, c'est la Grande Pyramide. Avec ses 15 étages et son éperon pentu à 60 degrés, la Grande Pyramide fait le lien entre les quartiers du Levant et du Couchant. À l'est, les pyramides sont dites masculines avec des angles. Et à l'ouest, les pyramides sont dites féminines avec des courbes. Et le tout est habillé de motifs en béton symétriques, parfois farfelus pour ne pas dire abscons. Alors c'est vrai que sur la grande pyramide qui est derrière nous, on a donc la fameuse modénature, hein, c'est-à-dire ce sont ces formes qui sont présentes et reprises sur les façades et qui vont donner du rythme. Nos touristes et nos visiteurs voient souvent effectivement le haut et le bas d'un bikini, donc ça c'est assez amusant. Adulé ou détesté, la Grande Pyramide fascine. Georges Roche y habite depuis 40 ans et il n'échangerait sa place pour rien au monde. Nous, on a la vue jusqu'à l'école de voile. Pas beaucoup de monde à l'eau, mais pas mal de monde sur le sable. On peut dire qu'à la Grande Motte, on a tout ce que l'on veut. Hein. C'est bien les commerçants et en plus, bon, bien qu'on soit aux 8000 habitants à l'année, c'est tellement étendu que c'est assez calme. Je ne voudrais plus changer pour tout l'or du monde. C'est vrai qu'à la Grande Motte, Georges a un cadre de vie fabuleux. La construction de cette ville prend place dans un projet pharaonique d'aménagement de la côte méditerranéenne. La mission Racine. Les travaux débutent en 1966. Deux ans plus tard, les premières pyramides sont habitées. À l'époque, la Grande Motte attire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Marie-France, par exemple, a tout quitté pour venir s'y installer en 1995. Chaque matin, je me dis que j'ai vraiment bien choisi ma destination, mon cadre de vie. Et non, aucun regret. C'est vraiment une vie. On a beaucoup de chance de vivre à la Grande Motte. Il faut dire que l'architecte a pensé à tout, et en particulier au confort des habitants. Pas moins de 25 km de voies en circulation douce pour cyclistes et piétons. Et c'est sans compter les espaces verts qui recouvrent 70% de la ville. On est vraiment dans l'idée là, d'une ville qui est vouée effectivement aux vacances, à la famille, puisqu'encore une fois, on imagine bien ici les enfants se balader, pouvoir s'égayer sans problème, sans que les parents aient derrière pensé, notamment sur le danger que peut constituer l'automobile. Alors loin des clichés négatifs, la Grande Motte est une ville structurée et pensée pour ses habitants et leur bien-être. Avec ses tours de béton, le projet architectural de Jean Balladur fait de cette ville de bord de mer un musée à ciel ouvert, classé patrimoine national du XXe siècle.